Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. L'année 2014 marquera le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises. Pendant sa visite en Chine qui vient de s'achever, le président Hollande a exprimé de grandes attentes. Aujourd'hui, notre émission s'intitule « Les relations sino-françaises, l'ère Xi Jinping, François Hollande ». Et nos invités sont politologues à l'Université des langues étrangères de Beijing, M. Xue Jiancheng et Mme Zhang Min. Bonjour, M. et Mme. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et avant de débuter notre discussion, regardons ensemble ce reportage. Hollande est le premier dirigeant d'une puissance occidentale à se rendre en Chine depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement chinois en mars. Les deux dirigeants ont promis de travailler ensemble sur les questions économiques, d'améliorer la confiance stratégique mutuelle, d'approfondir une coopération pragmatique, d'augmenter la communication sur les questions internationales et de renforcer les relations bilatérales. En tête de l'agenda, les questions économiques. Les deux parties ont signé 18 accords de coopération dans l'énergie nucléaire, l'aviation civile, la protection environnementale, l'agriculture, le tourisme et autres secteurs. Le président Xi Jinping s'est déclaré satisfait du progrès des relations bilatérales et a exprimé le souhait d'étendre la coopération entre les deux pays. Je suis satisfait de nos succès dans les domaines de coopération traditionnelle comme l'énergie nucléaire et l'aviation. Nous pensons qu'une perspective de vision stratégique est nécessaire pour renforcer notre partenariat. Nous avons donc décidé d'étendre notre coopération au domaine de l'urbanisation, de l'agriculture et des énergies nouvelles afin de renforcer les liens bilatéraux. Le président Hollande a déclaré que les deux pays devaient travailler ensemble pour réduire le déséquilibre commercial et que les investissements chinois étaient les bienvenus en France. Mais le partenariat, il doit être aussi économique. Et si nous nous réjouissons de voir constamment le volume de nos échanges augmenter et que nous avons 26 milliards de déficit commercial, ça tient pour une part à nos propres responsabilités françaises. Et donc nous devons, et c'est le sens de la présence de nombreux chefs d'entreprise qui m'accompagnent, être plus compétitifs, plus présents, plus ardents pour prendre les marchés que le dynamisme de l'économie chinoise nous permet de conquérir. Et M. Xu, depuis le changement de dirigeant à la tête de la Chine, Hollande est le premier chef d'État d'une grande puissance occidentale à visiter la Chine. Donc d'après vous, quelle signification revêt-elle? Effectivement, c'est une visite d'une importance majeure entre la Chine et la France, parce que pour M. Hollande, effectivement, c'est la première fois qu'il a mis le pied sur le sol chinois. Et l'année prochaine, on va fêter le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Mmh. Et du côté chinois, c'est vrai que aussi, nous avons une nouvelle équipe de direction à la tête de l'État. Donc Xi Jinping reçoit pour la première fois également un chef d'État des pays occidentaux aussi importants comme la France. Et puis, les relations sino-françaises est une des relations bilatérales les plus importantes aux yeux des Chinois. Nous avons déjà des relations de partenariat stratégique global. Et donc, les relations sont en ensemble, dans son ensemble, tout à fait bonnes. Et on espère que les relations actuelles franchira une nouvelle étape. De toute façon, des deux côtés, on a cette volonté politique de promouvoir la coopération bénéfique pour tous, et surtout parce que la France et la Chine occupent une place très importante sur la scène internationale, dont toutes les deux sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, et puis nous sommes tous les deux, une puissance nucléaire. Il y a beaucoup de points communs, des convergences entre les deux pays dans la gouvernance mondiale. Par exemple, la Chine et la France sont toutes deux pour un monde multipolaire. Et nous refusons, tous les deux, l'unilatéralisme, et pour créer ainsi un nouvel ordre
équitable pour le monde, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique et financier. Et il y a encore beaucoup de convergence entre les deux pays, notamment, par exemple, la France est pour ce qu'on appelle l'exception culturelle. Alors que la Chine également préconise la pluralité culturelle, donc un monde en harmonie entre les différentes civilisations. Donc on a tout intérêt à renforcer les liens de coopération existants, et il n'y a pas raison de négliger le rôle à jouer par nos deux pays sur le devant de la scène internationale. Donc, à propos de la Chine, la question récurrente est celle de la nouvelle équipe dirigeante de la Chine. Donc, d'après vous, Madame Zhang, comment est-elle perçue dans les médias occidentaux? Oui, d'abord, les médias occidentaux, dans notre cas, les médias français, ont accordé une grande attention alors au premier pas de notre nouveau président Xi. Alors, ils ont fait beaucoup de reportages et des analyses sur son élection et aussi sur ses premières visites en Russie et en Afrique. Et d'ailleurs, les principaux quotidiens influents, tels que Le Monde, Le Figaro, L'Express ou La Libération, ont aussi consacré beaucoup de reportages sur le parcours du président Xi. Par exemple, les 7 années qu'il a passées dans le village lointain pendant la révolution culturelle et aussi les fonctions qu'il a assumées à l'échelon local. Et d'ailleurs, les médias occidentaux ont très vite remarqué alors la fermeté que la nouvelle équipe dirigeante chinoise a accordée à la lutte contre la corruption ou bien contre le mode de vie dispendieux, tel que le tapis rouge, les banquets ou une sortie accompagnée des véhicules de police. Et dans ce cas, ils ont aussi porté les premiers jugements sur le style personnel du président Xi. Ils disent que notre président est une personne ouverte et directe, chaleureuse. Et surtout, il n'aime pas les langues bois. Et d'ailleurs, ils ont fait attention à la conception, cette nouvelle conception du rêve chinois, dont le président Xi a éclairé la signification dans plusieurs cas. Pour eux, cette conception peut être largement interprétée et être ouverte à différentes interprétations et discussions. Donc, Hollande s'est fait élire en période de crise économique. Le constat de Hollande était d'ailleurs celui-ci, un chômage élevé, une compétitivité en baisse et d'énormes dettes et déficits. Donc, après bientôt un an en fonction, quel est le bilan pour François Hollande? Son bilan n'est pas brillant, c'est le moins qu'on puisse dire. La France va mal. La France se plonge dans une période de crise, de toutes sortes de crises. La crise d'abord économique, on ne voit pas de croissance. Il y a pratiquement la quasi nulle, une croissance quasi nulle, un taux de chômage très élevé, qui dépasse de loin les 10%. Donc rien que la métropole, le nombre de chômages dépasse 3 millions, 3 millions, 200 000 et quelques poussières. Et donc c'est une préoccupation majeure pour les citoyens français, sans parler de la baisse du pouvoir d'achat. Et il y a ensuite donc une crise sociale à la suite de cette crise économique. Les gens descendent dans la rue, la France est fort divisée pour multiples questions. Donc pendant la course à la présidentielle, les médias ont pointé l'inexpérience de Hollande dans les affaires extérieures. Même les sarkozystes ont dit que Hollande n'a jamais mis les pieds en Chine. Comment peut-il devenir un président français? Donc, au vu des relations sino-françaises pour l'année écoulée, quelle est la diplomatie de François Hollande, Madame Zhang?
Oui, d'abord, François Hollande connaît bien son point faible dans les affaires extérieures. Ainsi, dès le début de son mandat, il a choisi un fin analyste, le meilleur spécialiste de Chine au Quai d'Orsay, comme son conseiller diplomatique. Cela montre alors l'importance qu'il accorde à la Chine. Et puis, malgré ses déclarations critiques envers la Chine sur le taux de change ou le non-respect environnemental, et depuis sa prise en fonction, il voulait continuer la diplomatie française dans les pas de son prédécesseur. Donc, il adopte plutôt un style assez pragmatique et il évite de faire des propos sur la Chine. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne veut pas commettre les mêmes fautes comme Nicolas Sarkozy en 2008 pour irriter la Chine. Parce qu'à ce moment, on comprend très bien que la France a besoin de la Chine. Et dans une économie mondiale en développement, les relations sino-françaises se sont développées à mesure de l'essor des échanges commerciaux entre les deux pays. Regardons ensemble un reportage. La France est à l'heure actuelle le quatrième partenaire commercial européen de la Chine. L'année 2012 a vu 51,02 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre les deux pays, soit une baisse de 2% par rapport à l'année précédente. En effet, la Chine a exporté pour 26,9 milliards de dollars à destination de la France, soit 10,3% au glissement annuel, et a importé 24,1 milliards de produits français, soit 9,3% de plus que l'année précédente. C'est, je crois, un thème majeur de notre relation. Nous voulons faire ce travail la main dans la main avec la Chine. Plus de 4000 entreprises françaises connaissent un développement favorable en Chine. Et 139 entreprises chinoises ont permis de créer 7000 emplois en France. Cette année, les deux pays ont également créé le premier fonds d'aide au développement des PME, une innovation dans le domaine de la coopération financière. Une collaboration fructueuse s'est mise en place dans de nombreux domaines, dont les centrales nucléaires, l'aviation, les chemins de fer, le traitement des eaux ou l'écologie. Tout en améliorant les secteurs traditionnels de coopération, les deux pays ont également développé la collaboration dans de nouveaux secteurs. Et en 2011, le déficit commercial de la France avec la Chine s'élevait à 27 milliards d'euros et Hollande a déclaré qu'il ne refuserait pas les produits chinois, mais qu'il espérait une balance commerciale équilibrée. Donc, qu'est-ce que la Chine a obtenu lors de cette dernière visite de François Hollande en Chine? La France souhaite rééquilibrer les échanges commerciaux de façon dite par le haut, du côté chinois, je pense qu'il n'y a pas de problème. La Chine est très ouverte. La Chine est toute prête à importer davantage des produits fabriqués par la France. Le problème, c'est que les échanges commerciaux ne doivent pas être politisé, disons. Et souvent, il y a eu des interférences politiques, si bien que les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu, dans le passé, des difficultés. Et ensuite, j'en ai déjà parlé, c'est que la France manque de compétitivité. Les produits sont chers, le coût du travail est élevé, donc il faut renforcer la compétitivité, comme ce qu'on fait en Allemagne, pour avoir donc des parts de marché plus importantes en Chine. Et donc, d'un côté, il faut la volonté politique de promouvoir les échanges politiques, et ensuite, il faut que les produits français soient compétitifs, et que le marché français soit plus ouvert, parce que la Chine a aussi besoin des produits de haute technologie. Si on vend des produits de haute technologie, donc ce sont des produits de valeur ajoutée très élevée, ça va bien sûr faciliter le rééquilibrage. Donc le problème ne vient pas de la Chine.
Madame Zhang, quel est votre point de vue? Oui, comme monsieur a dit tout à l'heure, d'abord le déficit commercial, alors ce n'est pas un objectif cherché de la Chine. Donc, pour équilibrer cette balance commerciale, il faut les efforts des deux. Et de la part de France, en fait, comme monsieur a dit, il faut augmenter leur compétitivité. Et d'ailleurs, il faut remarquer qu'il existe une complémentarité et un besoin réciproque entre nos deux économies. Et de la part chinoise, par exemple, on est confronté à des défis comme la protection environnementale ou bien la diversification des énergies. Et ainsi, dans ces domaines, on peut très bien faire recours aux hautes technologies françaises parce que la France dispose des atouts dans ces domaines. Et je vous donne un autre chiffre. Les investissements français en Chine s'élevaient à 13 milliards d'euros en 2011 et les investissements chinois en France sont en augmentation mais restent toujours de 3 à 4 fois moindres. Mais l'ancien Premier ministre J.P. Raffarin a indiqué que la France encouragerait les entreprises chinoises à investir en France. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec le fort taux de chômage en Europe ou bien avec la crise de la dette? C'est vrai. C'est vrai. Moi, je crois sincèrement que la France, ainsi que beaucoup d'hommes politiques ou d'hommes d'affaires, souhaitent que les Chinois investissent davantage en Chine. Et effectivement, ça représente, si je ne me trompe pas, 700 millions d'euros en France. Donc, ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et donc, alors, du côté du gouvernement chinois, on appelle à nos hommes d'affaires à sortir donc à l'extérieur, donc à l'étranger. Par rapport aux Allemagnes, à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne, la France a donc beaucoup à faire pour rivaliser, pour attirer l'investissement des Chinois. Par exemple, en Allemagne, les patronats et les syndicats donc ont la possibilité de se mettre d'accord pour surmonter les difficultés survenues durant la crise économique. Donc il y a une entente, il y a des possibilités de compromis entre le patronat et les syndicats. Quant à la Grande-Bretagne, alors là, parce que là, on voit d'abord, et surtout, le libéralisme qu'on pratique en Grande-Bretagne. C'est ainsi que les charges ne sont pas aussi lourdes que la France. Donc, vous voyez, ces deux conditions-là ne sont pas bien réunies en France. Ce qui empêche, ce qui fait hésiter les investisseurs chinois, mais en tout cas, moi, je crois que j'encourage en tout cas nos investisseurs chinois à s'implanter, à dépenser davantage en acquisition, en fusion d'acquisition, en participation d'action en France. Je proposerais même, si j'étais riche, j'investirais dans la production du lait et des produits laitiers, notamment du lait en poudre, parce que la Chine en a besoin. La Chine en a besoin. Et on a donc plus confiance en qualité du lait en poudre de la Chine. Incontestablement, la qualité des produits alimentaires est très bien assurée en France et nettement meilleure que celle des produits chinois, quand il s'agit des aliments. Donc on a beaucoup de secteurs de coopération tels que dans le domaine agroalimentaire.
Donc, Madame Zhang, dans les relations sino-françaises, quels sont les domaines dans lesquels la France cherche une coopération avec la Chine et quels sont les domaines dans lesquels la France est inflexible? Oui. En fait, alors, les relations entre la France et la Chine est un partenariat stratégique et global. Ceci dit, alors, les pays comme les deux pays de grande influence dans les affaires internationales peuvent trouver beaucoup de points communs dans les affaires internationales. Par exemple, sur le dossier comme l'antiterrorisme ou bien la non-prolifération nucléaire, et la France et la Chine ont effectué des concertations très, très efficaces. Mmh. Et ainsi, et sur ces dossiers, la France et la Chine peuvent continuer une coopération très étroite. Mmh. Mais bien sûr, la France a ses propres attitudes sur d'autres dossiers, par exemple sur la situation des droits de l'homme ou bien sur la situation en Syrie. Et récemment, par exemple, la Chine a critiqué la France et aussi la Grande-Bretagne parce qu'elle propose la levée de l'embargo sur des armes en Syrie. Et parce que c'est pour faciliter alors l'obtention des armes de l'opposition syrienne. Et sur ce dossier, je pense que la France va continuer et elle ne changerait pas d'attitude. C'est normal et compréhensible parce qu'elle veut aussi faire valoir ses propres points de vue et ses valeurs. Et en plus, la position de la France sur la question du Tibet intéresse beaucoup en Chine. Donc, M. Xue, pensez-vous que Hollande va rencontrer le Dalai Lama ou il va éviter de toucher la corde sensible de la Chine à la veille du cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques? D'ici là, je ne pense pas qu'il veuille rencontrer Dalai Lama au risque de froisser, enfin de nouveau, le peuple chinois et le gouvernement chinois, parce que les relations sino-françaises constituent une importance telle qu'il ne peut pas, enfin, agir au détriment de celle-ci. Ceci ne veut pas dire qu'il a changé de position. Il garde sa position, mais la Chine ne cesse de réitérer à l'égard du gouvernement français ainsi que de M. Hollande. Ça fait partie des intérêts fondamentaux de la Chine. Donc, moi, je dis, attention, n'y touchez pas. Il ne faut pas crier haut et fort sur le toit. Ceci dit, la Chine reste toujours ouverte. On peut toujours engager des dialogues d'égal à égal pour échanger nos points de vue, pour faciliter, améliorer la compréhension de part et d'autre, pour trouver des terrains d'entente plus étendus. Mais de toute façon, les préoccupations, les intérêts fondamentaux de chacun doivent être respectés. Ça, c'est un principe qu'on répète à tous les chefs d'État étrangers. Oui, et c'est vrai que la collaboration sino-française connaît davantage de problèmes internationaux. Et avant de continuer notre discussion, voyons ensemble un reportage. Depuis sa prise de fonction, Hollande a envoyé des signes positifs à la Chine. En juin 2012, pendant le sommet du G20, Hollande a exprimé à Hu Jintao lors d'une conférence que le nouveau gouvernement encourageait un partenariat stratégique total avec la Chine. Ensuite, Hollande a envoyé son ministre des Affaires étrangères et des conseillers diplomatiques en Chine. Le président François Hollande a souhaité affirmer son attachement à la relation entre la France et la Chine. C'est la raison pour laquelle le premier ambassadeur qui a été reçu à Paris par lui-même était l'ambassadeur de Chine. Trois visites importantes, celle du ministre de l'économie et des finances et en
ensuite la ministre du Commerce extérieur, et enfin Martine Aubry, qui est l'envoyée spéciale du ministre des Affaires étrangères pour le renforcement du partenariat entre nos deux pays. Lors de la réception organisée au Palais de l'Élysée en février cette année, Hollande a rappelé que les leaders des deux pays viennent d'être renouvelés. De fait, la relation sino-française entre dans une nouvelle période. Cependant, les relations entre la Chine et la France ont encore besoin d'une période d'acclimatation, bien que sur de nombreux dossiers internationaux, les positions des deux pays aient de nombreux points communs. Dans des cas comme le Mali ou la Syrie, où la France est très ferme envers le régime syrien, il existe des différences. Et sur le continent africain, la concurrence est également accrue. Le ministre de l'Économie et des Finances, Pierre Moscovici, a encouragé les entreprises françaises à se développer sur le continent africain. Les médias considèrent que cet appel est directement lié à la concurrence chinoise en Afrique et à la situation économique française. Les mots mêmes du ministre ont été « la croissance africaine a le potentiel de stimuler la croissance en France ». Et si l'on considère les relations sino-françaises au niveau international, la question africaine est inévitable. La France a déjà retourné en Afrique par envoyer ses troupes au Mali. Est-ce que cela montre la nécessité de l'Occident de contrebalancer l'influence chinoise en Afrique, Monsieur Xu? Effectivement, il y a sans doute une rivalité entre les différents pays compte tenu de la globalisation économique. C'est tout à fait compréhensible. Mais à propos du Mali, je ne pense pas que ce soit un geste délibéré de la part de la France pour rivaliser avec la Chine. Parce que le Mali, comme beaucoup d'autres pays francophones africains, sont traditionnellement des pays alliés à la France. Si la France est intervenue au Mali, c'est à l'appel du gouvernement légal malien, plus ou moins soutenu par l'ONU, sous forme de plusieurs résolutions. Donc ça n'a rien à voir avec la rivalité chinoise. Quant à la coopération économique avec les pays africains, du côté chinois, on souhaite que la France et la Chine peuvent même coopérer pour renforcer leur aide et soutien à la construction d'un continent prospère. Et la France, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, la France est dans une situation pénible sur le plan économique. Donc, elle a tout intérêt à retourner en Afrique. Et puis l'Afrique, effectivement, est un continent de pleine promesse. On connaît un taux de croissance tout à fait remarquable par rapport notamment aux pays développés. Donc il n'y a pas de raison pour la France de s'abstenir sur un terrain aussi cher à la France. Mais pour le Mali, ça n'a rien à voir avec la rivalité avec la Chine. Non. Donc on peut dire qu'il existe encore des convergences et des frictions entre la France et la Chine. Est-ce qu'on peut dire qu'après la Chine, après que la Chine est devenue la deuxième économie mondiale, les relations bilatérales ont terminé leur période de lune de miel de l'ère chiracienne? Oui, je pense que dans toutes les relations bilatérales, il existe de la pluie et du beau temps, ou bien comme vous l'avez dit tout à l'heure, la lune de miel. Et donc, le cas entre la France et la Chine ne fait pas l'exception. Et ainsi, dans l'ensemble, depuis bientôt 50 ans, je pense que les coopérations sino-françaises portent beaucoup de fruits dans presque tous les domaines. Bien sûr, alors, sous les présidences de M. Chirac, la relation bilatérale a été marquée par l'établissement d'un partenariat stratégique et global.
et surtout à cette période a été bon.